prépare les championnats du monde qui vont arriver début décembre en Allemagne. Donc là, on a fait le stage vu que c'était possible d'avoir les joueuses qui jouaient à l'étranger. We win two matches. First match against Ireland. It's 36-20. It was pretty good. We didn't expect this kind of results. We won against Turkey by 11 at least. Nous, c'était juste un stage de préparation. Donc on s'est entraîné à peu près deux fois par jour. And the second match we play Macedonia, it was a little bit hard. We win 33-27. Played away against Lithuania and we won by 7. So good so far for our national team. Après, on a fait deux matchs de préparation contre les moins 18 garçons de là où on était logés. We have project for the next 3 years to take one of the 3 medals. I hope we will be in the first 5 now and after we will see. Years ago we had a very experienced national team that was playing every championship, so we always had chances to not maybe win but to be in between the 5th position of the championship, which is very good. Nowadays we change the cycle, so we are with a lot of young people, with a really new generation that is upcoming into our national team. So our chances and expectations for this next European or World Championship are not very, very high. Nous, cet été, on aura le mondial avec les juniors. Donc voilà, on commence déjà à préparer les chances. C'est un stage qui a permis dans un premier temps au développement de la joueuse. On s'est regroupé au Havre et ensuite on a été faire deux matchs contre la Norvège A'. On a gagné contre le Havre et contre la Norvège, c'était un peu plus compliqué parce que c'est pas du tout le même niveau. Du coup, on a perdu. De 8 buts, de 10 buts et de 11 buts, je crois. Justement cet été, on est sorti championne d'Europe. Voilà. Médaille d'or. Médaille d'or, bien sûr. Un bon souvenir ? Un très bon souvenir. C'est ma première médaille. En plus, en équipe de France junior, quand même, ce n'est pas rien. Et j'espère qu'au mondial, cet été, on pourra reproduire la même chose.